le coup, pouce bleu, c'est gratuit. Vous pouvez me trouver sur Skype, sur Facebook, sur Snap. N'oubliez pas de laisser un petit like, bien sûr, de vous abonner, de me suivre sur Instagram et sur Twitter. Salut tout le monde, c'est Superflo, comme vous avez dit, moi ça va super bien. On se retrouve sur GTA en live pour une nouvelle vidéo. En fait, c'est pour vous parler. Vous rappelez, bah, je vais vous parler en fait, franchement, il y a 27 minutes, 58 minutes plutôt, j'ai publié un commentaire sur Facebook. J'ai partagé sur mon groupe Facebook et sur ma page Facebook. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Méfiez-vous si vous voulez jouer en fait à Noël, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un groupe qui veulent couper en fait le en ligne sur PS4 et Xbox Live. Ils veulent couper pendant une semaine. Donc pourquoi, on ne sait pas encore, ça a été publié. Rappelez-vous, l'année dernière c'était les lézards, je sais plus quoi. J'ai plus le nom en titre, moi j'appelle ça les lézards game, je sais plus quoi, bref. Il y a un nouveau groupe qui menace de couper en fait le PSN et le Xbox Live pendant une semaine à Noël. Rappelez-vous, l'année dernière ça a été fait pareil. Les dernières Noël, ils l'ont fait sur PS3, ça a duré pendant 3 jours, ça je me rappelle très bien, pendant 3 jours à Noël on pouvait plus jouer. On ne pouvait plus jouer en ligne sur tous les jeux et tout. Donc là, ils vont refaire pareil, mais pendant une semaine. Donc méfiez-vous si vous voulez jouer pendant une semaine sur Xbox One ou PS4 en ligne. Vous pouvez plus pendant une semaine. Donc est-ce qu'il faut prendre avec le sérieux ou pas? Est-ce que c'est un fake ou pas? On ne sait pas encore. Ça a été publié sur un groupe, une page plutôt de Xbox One. Moi je le prends sérieusement, après je sais pas si ça va être vraiment vrai ou pas. Je fais cette vidéo là, je pense que je suis le premier youtubeur à le faire. Je sais pas s'il y a eu d'autres youtubeurs qui l'ont fait cette vidéo là, peut-être pas encore, ou peut-être qu'ils vont le faire. Du coup voilà, ils ont marqué en gros qu'ils vont qu'ils veulent bloquer, ils veulent couper pour les menacer. Donc en gros c'est marqué plein de choses, bien sûr. Attendez, je suis en train de regarder en même temps. Parce qu'en fait, je regarde en même temps. Alors. Donc, ils sont, c'est bien un groupe qui est prêt à décider, donc à prendre le relais et menacer de faire la même chose cette année. En fait, en gros, parce que j'ai pas compris le début, vous allez dire, ouais, j'ai pas compris en fait. En fait, rappelez-vous, les dernières, il y avait les lézards. C'était les lézards. Et en fait, ils avaient coupé en fait pendant 3 semaines. 3 jours plus tôt. Donc eux en fait, le nouveau groupe, les nouveaux hackers veulent reprendre la relève, mais eux ils veulent faire ça pendant une semaine, donc ils savent pas, bien sûr ils savent pas. Est-ce que rappelez-vous, je sais pas si vous avez la Xbox One, je sais pas si ça vous l'avez fait sur PS4, pendant une semaine on a eu un souci pour jouer sur GTA en ligne ou sur d'autres jeux. Moi ça me l'a fait, je pouvais plus jouer à Call of ni à GTA, on avait un petit souci, on pouvait plus se connecter en ligne. Donc on sait pas si c'est eux qui font ça ou pas. Il faut rester quand même prudent, rester prudent. Et après je sais, on sait pas du tout si c'est eux ou pas qu'ils ont fait ça. Pourquoi à Noël? Je pense que c'est pour bien les faire chez les gens, en gros, j'ai envie de dire. En plus dans pas longtemps on a une nouvelle mise à jour qui va arriver de Noël, le DLC Noël sur GTA. Le souci c'est qu'ils font tout plombé, bah on va pas l'avoir, on va être décalé, on pourra pas y jouer. Donc ça commence à être embêtant d'un côté, c'est vrai, c'est chiant, parce que s'il plombe de comment s'appelle le live, le en ligne, bah c'est chiant d'un côté. Donc du coup voilà, si vous avez des cadeaux à Noël, donc par exemple c'est bien marqué en commentaire si vous avez ça, moi j'ai juste fait copier coller, je l'ai partagé, je préfère vous prévenir. Si vous avez des cadeaux à Noël, soit la Xbox ou la PS3, évitez d'y jouer le soir même en ligne, parce que bah ça sera un peu dommage de jouer, mais de déballer le cadeau mais de pas y jouer en ligne, surtout ça sera un peu dommage.
Moi j'avais prévu faire des vidéos à Noël, mais si le souci, bah, on peut pas, bah, c'est un peu ballot. Ça me fait un peu chier, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, après il faut rester à l'écoute. Je pense qu'ils vont en parler un peu partout. L'année dernière, ça avait fait la une, je crois, à la télé, si je me rappelle bien. Parce qu'ils avaient fait 3 jours, mais ça avait duré un peu plus longtemps. Après, ils avaient repris. Ils avaient repris un peu avant Noël. Là, ils ont repris. Si je me trompe pas, je crois qu'ils étaient passés un peu à la télé. Sur TF1, si je me trompe pas. Dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas. Bien sûr. Mais du coup, voilà, il faut prendre avec des petites pincettes, comme on dit. Faut quand même se méfier. Je sais pas s'il faut prendre au sérieux ou pas. Mais bon, pour moi, oui, je le prends au sérieux. Après, vous, voilà, vous prenez comme vous voulez. Moi, je vous dis juste qu'il faut se méfier. Ça fait la une, en fait, ils ont menacé. En fait, je vais vous expliquer parce qu'en même temps de jouer et de regarder l'ordinateur, c'est pas facile. Bien sûr, je préfère vous dire. Donc, vous inquiétez pas si je lis pas tout. La description qu'ils ont marquée, ça a été publié. Ils ont menacé, en fait, ils ont fait des menaces sur Twitter. Donc, ça a été, moi j'ai pris l'idée, oui, ça fait 1 heure à peu près, ça a été publié sur Twitter. Donc, moi quand j'ai vu le groupe Facebook, ils l'ont partagé, la page Facebook Xbox One, ils l'ont partagé. Je sais pas si c'est une page française ou anglaise, je sais plus, ou américaine, bref. Ils l'ont partagé, donc du coup, bah moi j'ai fait la même chose. Je l'ai piqué, j'ai fait un copier-coller, bien sûr. Voilà. J'ai pas modifié le texte. Mais ils ont fait les menaces sur Twitter. Donc du coup voilà, il faut vraiment faire gaffe. Je préfère me répéter. Venez pas me dire après, ouais mais tu nous as pas prévenu. Là moi j'ai prévenu. Après s'ils font, ils font, ils font pas, ils font. Tant mieux j'ai envie de dire. Après il faut prendre, voilà, avec prudence, il faut faire gaffe. Ils sont un peu idiots, moi je pense, c'est mon point de vue. Après si vous voulez marquer votre point de vue en commentaire, allez-y. Moi je trouve ça un peu idiot. Voilà, chacun ses trucs. Pourquoi nous faire chier? Est-ce que bah voilà, ils l'ont fait sur PS3 l'année dernière, pourquoi le faire sur Xbox One et PS4? Moi je trouve ça voilà idiot. Bon, bref, déjà pas me répéter. Du coup voilà, j'espère que vraiment ça va vous aider. J'espère que vraiment ça va vous allez bien regarder la vidéo entièrement. Je ferai un petit je le mettrai sur la vidéo si vous voulez hein. Une petite vidéo où je vous montrerai quand même ça s'appelle le commentaire et tout, c'est pas en fait que moi j'ai trouvé ça, donc du coup moi je le mettrai sur la vidéo, vous inquiétez pas. Si vous voulez lire tranquillement, je le mettrai en haut de la vidéo. Vous pouvez regarder. Mais voilà, prudence si au cas où vous voulez jouer le jour de Noël, bah peut-être pas, une semaine avant. Donc voilà. Après il n'y a rien d'autre. Non, 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 du coup, non, ils disent bien. Je regarde en même temps parce que c'est pas facile de regarder l'ordinateur et de jouer. Ils disent bien sûr, parce que je l'ai pas lu. Ils disent bien qu'ils veulent bien. Ils ont annoncé sur Twitter qu'ils veulent bien bousiller le système durant une semaine. En fait, ils veulent bien bousiller le Xbox One et Live plutôt. Xbox Live et PS4. Le PSN. Ils veulent bien le bousiller, les faire nous faire chier en fait. Moi je suis pas sur PS4, mais voilà, je fais quand même une vidéo pour les gens qui ont la PS4, bien sûr. Xbox, je l'ai. C'est un peu galère, je suis passé par l'année dernière. Je sais pas si vous, ça l'a fait l'année dernière. C'était en plus, bah, c'est il y a un an, ça va faire un an, jour pour jour à Noël, qu'on était emmerdé par eux. Bon, le DLC Noël, il a duré pour longtemps. Mais là, en fait, bah, ils veulent nous faire chier. La neige a été. Ils avaient repoussé la neige, on l'avait un peu plus longtemps. Tant mieux, j'espère qu'ils vont faire un peu pareil. La neige, j'espère qu'on va l'avoir plus longtemps. Donc du coup voilà, j'espère vraiment que ça vous a aidé cette vidéo là, j'espère que vous avez bien compris. De toute façon je ferai un, si vous avez pas compris, je vous disais en haut de la vidéo à droite il y aura un petit montage vidéo, vous pouvez voir le texte et tout, comme ça vous pouvez me relire le tranquillement, vous pouvez faire une pause, même lire, c'est pas grave. Et du coup voilà, je l'ai partagé sur Facebook, si vous voulez me rejoindre allez sur ma page Facebook. C'est Superflow officiel, comme ça vous pouvez aller voir directement. C'est sûr, des fois je parle pas à faire des informations ou des vidéos. Là, ça m'a. J'avais envie de faire la vidéo. Donc, du coup, voilà, venez nombreux. Continuez à vous abonner, ça me fait super plaisir. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, bien sûr, de laisser un petit commentaire, donner votre avis sur cette vidéo-là, bien sûr. J'ai du temps, bien sûr, mais c'est un peu chiant. Donc, du coup, voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment, bien sûr. Et moi je vous dis à très vite, ciao bye bye, allez, bon game, allez, salut!